du Seigneur, spécialement donc pour le message. Hurrah! Amen. Dans Apocalypse, chapitre 14, et nous lisons à partir de verset 6. Apocalypse 14, verset 6, c'est le témoignage de Jean, Jean l'apôtre, et il dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. » Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour la joie merveilleuse, ineffable, unspeakable, Seigneur, que nous avons dans nos cœurs ce matin. Une joie glorieuse, Seigneur. Nous n'avons pas de mots, Seigneur. Nous aimerions prendre le premier, Seigneur, et le dernier mot de l'alphabet et toutes les lettres qu'il y a entre pour décrire ton amour, ta grâce et ce que nous vivons, Seigneur, sur terre en ta présence. Veuille bénir ta parole, Seigneur, qu'elle soit encore, Seigneur, cette épée à double tranchant devant laquelle tout est nu et découvert, que nous puissions comprendre l'amour ensanglanté que tu as eu pour nous à la croix de Golgotha. Tu as tout donné, Seigneur, jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'à ton dernier souffle ici-bas sur terre, alors que tu as déclaré la mission est accomplie. Tétélestai, l'œuvre est achevée, le marché est conclu, la mission est finie. Merci, Seigneur. Merci d'être venu sur la terre et ce matin, veuille bénir l'âme la plus désolée, l'âme la plus découragée, Seigneur, que le Saint-Esprit relève, soulage, réconforte et guérit, Seigneur, le cœur et le corps malade, car tu es un Dieu de gloire et c'est à toi uniquement que reviennent toute gloire, toute puissance, tout honneur, toute sagesse et toute richesse. À toi, Seigneur, à toi seul, la victoire totale. Amen. Et tout le peuple dit, Amen, Amen, gloire à Dieu. Faites vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hurrah! Alléluia. Hurrah! Amen. Évidemment, il y a des acclamations appropriées hein, quand la victoire est gagnée. Dans le stade, par exemple, les acclamations se donnent très, très bien quand les examens sont finis, achevés et réussis. Les acclamations sont très bien acceptées et adaptées lorsque le combat est fini et terminé. Bravo! Hurrah! Voyez, on entend l'annonceur dire, et maintenant, mesdames et messieurs, le gagnant, monsieur un tel ou madame une telle. Et les gens applaudissent. Ce moment-là va arriver à l'univers. Vous pouvez y compter dessus. La longue bataille, lutte, combat, fatigant, pénible, entre le mal et le bien sera enfin finie, enfin achevée. L'image est prophétique, l'image est prophétique. Les guerres s'achèvent, les séries de baseball hein, ou de hockey finissent. Les examens s'arrêtent, les ouragans finissent par se dissiper et les tornades vont s'évanouir au milieu de l'océan. Les saisons changent, l'hiver qui est tenace finalement s'en va. Paul a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne. Désormais, la couronne m'attend dans la gloire. Hallelujah. Les applaudissements m'attendent dans l'éternité. Jésus, dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, va dire, « J'ai achevé, Père, l'œuvre que tu m'avais donnée à accomplir sur cette terre. » J'ai achevé. J'ai achevé. Voyez, un cri de joie, une célébration.
la joie et le cri du cœur. Voyez, le chant devrait toujours faire partie de la grande expérience du croyant, le chrétien, rempli, baptisé, immergé, non seulement dans l'eau, mais aussi dans le Saint-Esprit, plongé dans le fleuve de l'Esprit. Nous avons ce matin sous nos regards l'anticipation de la victoire finale. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous allons te célébrer dans la gloire éternelle. Et c'est le Saint-Esprit qui rend cela très, très réel au cœur du croyant ou de la croyante. Qui sommes-nous ? Nous sommes ceux qui ont été éclairés. Nous sommes ceux qui ont goûté le don céleste, le cadeau de Dieu. Nous sommes ceux qui ont eu part au Saint-Esprit. Nous sommes ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Évidemment, les puissants du siècle à venir, nous avons un tant soit peu, je dirais, goûté ce qui s'en vient. C'est puissant, c'est fort, c'est au-delà de toute compréhension. Et quand nous célébrons le repas du Seigneur, la Sainte Cène, eh bien nous célébrons sa victoire. Alléluia. C'est une célébration. La Sainte Cène n'est pas une enquête criminelle judiciaire. Voyez. La Sainte Cène, c'est une déclaration publique d'un triomphe total. Il a vaincu. Rappelez-vous ceci. Faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit « faites la messe ». Les premiers disciples n'ont pas fait la messe tous les jours. Lisez les actes de l'apôtre, on ne voit pas ça, voyez. Mais ils sont réunis autour du pain et autour de la coupe pour se souvenir que Christ avait vaincu une fois pour toutes à la croix du calvaire. Et je me réjouis de cela. Ça me fortifie, ça m'enthousiasme, ça libère évidemment mon cœur et ça me remplit de victoire. La coupe que nous prenons, et le vin que nous mangeons nous vivifie à la Sainte Cène, nous regaillardisse, nous remonte le cœur. Il y a des réactions en moi vis-à-vis de cela, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. En Jésus-Christ, je suis un homme total. En Christ, Madame, vous êtes une femme totale. Amen. Tu dresses devant mes ennemis une table. Dieu a dressé une table en face de nos ennemis. Sur cette table, il y a la coupe et il y a le pain qui nous parle du corps et du sang de Christ. Et Jean, l'apôtre, a ressenti cela, même s'il était emprisonné dans l'île du diable, l'île de la mort, à Patmos, là où il y avait la prison, là où il y avait la haine et les blasphèmes, là où il y avait une antipathie, voyez, contre Christ. Tout cela n'arrivait pas à l'isoler. Il se réjouissait. Il était dans l'esprit au jour du Seigneur. Sommes-nous dans l'esprit aujourd'hui? Ah oui, nous y sommes, en plein dans l'esprit de Dieu, en plein dans l'obéissance. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et Jean avait une foi totale. Il avait une foi complète dans l'Évangile. Il se réjouissait, il se délectait dans l'œuvre achevée du calvaire. À la croix, Christ a crié... Tout est accompli, tout est accompli. Tetelestai en grec qui veut dire le marché est conclu. Amen. Jean, l'apôtre à Patmos, savait que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Raison pour laquelle Paul, un de ses collègues, pouvait écrire aux chrétiens de la métropole romaine en disant « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit ». Sauver quiconque croit. L'évangile, c'est l'offre de Dieu à cette planète. C'est l'offre de Dieu à la planète. L'évangile, c'est la grâce, c'est la vie éternelle, c'est la défaite de l'enfer, la défaite de Satan et des démons, la défaite des mauvaises habitudes qui sont brisées, la défaite de l'église apostate, la défaite de l'erreur, c'est la défaite de tout ce qui est faux. L'évangile est la vérité, ta parole est la vérité, a dit le Seigneur. Alléluia. L'évangile, c'est le péché qui est vaincu. C'est le péché qui est conquis.
C'est la tête de Satan qui est écrasée sous les pieds ensanglantés de Christ. L'Évangile, le péché est vaincu. L'Évangile va plus loin et bien plus longtemps que ce que Satan peut faire pour séparer une âme d'avec son Créateur, d'avec Dieu. Et c'est la question qui nous est posée dans l'Épître aux Romains en disant, mais qui va annoncer la parole de Dieu? Comment donc les gens vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Le besoin actuel de notre génération est un besoin de prédicateurs. Des gens qui prêchent la parole de Dieu. Pas des danseurs, pas des comédiens, pas des comédies musicales, pas des psychologues, des prédicateurs qui annonceront la vérité sans crainte ni honte. Comment les gens en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés par le Seigneur de gloire, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. L'Évangile, c'est un amour qui ne veut pas quitter. C'est un amour qui ne veut pas lâcher. L'Évangile, c'est le seul travail qui a été remis à l'Église, à porter l'Évangile à toute la création. Et le croyant peut le faire aujourd'hui. Avec liberté, avec magnificence, avec enthousiasme. Jésus a dit avant de remonter au ciel, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné. Évidemment, c'est une proclamation. L'Évangile se proclame. L'Évangile ne se partage pas comme un popsicle ou une crème glacée. L'Évangile se proclame. Il fait autorité, il perce le cœur le plus dur. Il va au-delà de ce que l'homme, avec ses conseils, peut déclarer. La parole de Dieu est puissante. Elle fait un travail que les hommes essayent de faire depuis des siècles et ne pourront jamais accomplir. L'Évangile, ça fait en sorte que le croyant peut être, je dirais, libéré pour maintenant dire ce qui lui est arrivé dans sa vie et dans son cœur. Allez par tout le monde, déclarez, proclamez, claironnez, dites, hallelujah. Et ça n'a jamais voulu dire que l'Évangile soit sucré, que l'Évangile soit sentimental, que l'Évangile soit superficiel ou léger. Paul a dit à Timothée, prêche la parole, prêche pas les Canadiens. Prêche pas ceci ou cela, prêche pas telle équipe de foot, prêche pas Pepsi-Cola ou quoi que ce soit. Non, prêche la parole de Dieu. C'est la parole qui délivre, la parole qui reste dans un cœur. Hier, nous étions avec mon épouse dans une rencontre familiale. Il y a un homme qui est venu vers moi et qui m'a dit, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais quand j'avais 8 ans. Je suis allé dans une église à Terrebonne et je vous ai entendu prêcher il y a environ 30 ans. Et c'est encore là dans mon cœur. Mais je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Dites-moi comment faire pour être sauvé. Je suis malheureux. Il avait une bouteille de bière à la main. Il était complètement à la porte de l'hôtel avec la réception. Cette parole qui était semée dans son cœur. Il y a 30 ans, il était venu avec sa mère dans une église où je prêchais. Il avait 8 ans. Cette parole était encore là. 30 ans après. La Bible ne dit-elle pas que la parole de Dieu est incorruptible? Incorruptible. Et les gens qui l'entendent sur la terre, s'ils ne sont pas sauvés, s'ils ne l'ont pas reçue, vont la réentendre en enfer pour l'éternité. Quel dommage, quelle perte. Timothée prêche la parole. Il viendra une époque, un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des contes à dormir debout, des contes de bonnes femmes, des fables. Ils se tourneront vers des histoires à dormir debout. Alors prêche la parole de Dieu. Ça n'a jamais voulu dire que l'Évangile soit une mise en scène, créée pour un guichet à succès populaire. Non.
L'Évangile, c'est époustouflant. L'Évangile, c'est impressionnant. Rappelez-vous les pleurs ce matin de ceux qui sont venus pour dire leur témoignage. C'est émouvant. C'est imposant. C'est grandiose. Ça remet votre vie dans la bonne direction. C'est majestueux. Ça fait dire à un homme qui a une barbe et une ceinture de cuir sur les reins, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il est le médecin des cœurs. Il est le médecin des cœurs. Il est le médecin du Québec. Il n'y en a pas d'autre. Ça attire l'attention des hommes. Et vous et moi, nous faisons affaire avec le Créateur. Pas avec quelques bureaucrates, pas avec quelques comités. Dieu est impliqué. Dieu lui-même est impliqué. Ce n'est pas, je dirais, une bonne nouvelle ou un évangile qui sauve sans que Dieu soit à l'intérieur. Non, Dieu est là, à l'intérieur. Built in, à l'intérieur de l'évangile. L'ange dont nous avons vu le message ce matin dans Apocalypse 14, cet ange ne souligne pas une philosophie particulière. Il ne parle pas de la sagesse humaine, qui est une folie aux yeux de Dieu. L'ange ne souligne pas une analyse psychiatrique de la personne. Paul a dit, je ne suis pas venu à Corinthe avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais en prêchant la croix, le sang, l'évangile du sang rougeâtre, vermeil, qui a coulé d'un homme qui était Dieu sur la croix. C'est la raison pour laquelle on nous parle d'une foi qui a été transmise aux saints, aux chrétiens, une fois pour toutes. À nous de conserver précieusement ce message. L'ange n'a pas souligné quelque forme de pensée positive. Il n'y a pas de positif et de négatif dans la Bible. Tout est à avaler, tout est à prendre. Rien n'est à rejeter. Le calvaire n'est pas un poème. Le calvaire, ce n'est pas des belles paroles. Dieu est là sur la croix. Le Créateur des univers. La révérence lui est due. La révérence lui est due. Craignez Dieu, dit l'ange. Et donnez-lui gloire. Et avec la foi, il y a une grandeur. On est soudain associé avec des héros, avec des héroïnes des temps passés qui ont souffert pour l'Évangile. Des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes gens qui se sont agenouillés devant des autels de feu, des bûchers. On est associé avec eux. Ils se sont agenouillés devant l'épée. Ils ont plié la tête sur le billot avant que l'épée ne tranche leur veine jugulaire. C'est cet évangile, c'est pour cet évangile que j'ai donné ma vie. Ces gens-là sont agenouillés devant les emprisonnements, l'exil, la torture, les amendes, les sanctions. Il y a une gloire que nous aurons chacun de nous pour l'éternité. La Bible parle d'un poids de gloire éternelle, un poids de gloire. L'Évangile ne m'abaisse pas, l'Évangile m'élève, me soulève au-dessus de la cacophonie de ce monde, la pourriture, la corruption, les idées humaines qui vont et viennent comme des trains de TGV à 400 km à l'heure. Ça m'élève au-dessus de tout cela. Nous sommes héritiers, héritiers de Christ, co-héritiers, alléluia, pour partager la victoire de toutes les victoires, alléluia. Et nous montrons cela, et nous devrions démontrer cela. Sauvés pour rayonner, sauvés pour briller. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre pas de honte. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. La lumière ne peut être cachée. Vous êtes le sel de la terre. Attention, si le sel s'affadit, on ne peut plus lui redonner son salé. Il ne sert plus qu'à être jeté, foulé aux pieds par les hommes.
Chers amis, nous sommes sauvés pour être un véhicule de louange. Louer Dieu, adorer le Seigneur par nos actions, par nos réactions. Hallelujah. Par nos souffrances, par nos persécutions que nous subissons. Hallelujah. La Bible est claire, le prophète hébreu Daniel a dit, ils brilleront dans le ciel pour l'éternité. Et Paul va expliquer en disant, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il, là-haut dans la gloire éternelle. Certains brilleront, d'autres un peu moins, mais nous brillerons pour la gloire de Jésus, pour l'éternité. Hallelujah. Merci Seigneur. Hurrah! Hurrah pourquoi? Pour ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Plus besoin de me demander à quoi ressemble Dieu le Père. Je le sais. Je le sais. Je suis délivré des images, des statues. Je suis délivré des imaginations faussées, frauduleuses, des chapelets, des pèlerinages, tout ce que vous voulez. Je suis délivré des impositions dénominationnelles, des bougies, des médailles. Je possède le rapport du Nouveau Testament. Je sais qui est Dieu. Je sais qui est Dieu. Jésus a dit, Dieu est comme moi. Dieu est comme moi. Je suis l'image expresse et parfaite du Créateur. Observez-moi, regardez-moi bien, voyez. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est le Fils, il n'est pas le Père. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis comme le Père, je parle comme le Père, j'aime comme le Père. Je suis juste comme le Père. Aucune place n'est laissée au doute. Le Père aime les enfants comme Christ aime les enfants. Le Père respecte les femmes comme Christ les respecte. Il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. Le Père désire les perdus comme Christ les désire aussi. Le Père a une volonté pour guérir les malades comme Christ l'a fait ici-bas sur cette terre. Le Père prend soin de la veuve comme Christ l'a fait. Jésus, c'est la seule personnalité qui n'a aucune date. Il n'a aucune date de toute l'histoire humaine. Michel le prophète a dit, il remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Plus loin, encore, plus loin. Plus loin. Il n'y a pas de date. Il a toujours existé. Jésus remplit encore les pages aujourd'hui. Jésus s'élève au-dessus de toutes les célébrités. Jésus touche bien plus de gens que Michael Jackson. Jésus a un message supérieur, supérieur à toutes les imitations, et les imitations de la bonne nouvelle, les copies. La Bible dit, même si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, que cet ange soit maudit. Il n'y a qu'un évangile qui libère. Hallelujah. Jésus est vigoureux, agressif, sa cause repousse les frontières. Lorsque la Russie filtrait les Bibles comme on filtre la drogue, eh bien l'évangile a quand même pénétré au travers du rideau de fer. Et aujourd'hui, le monde musulman est infiltré. On nous dit qu'il y a plus de 6 millions d'ex-musulmans actuellement qui ont accepté Jésus-Christ. Mais ils ne le disent pas de peur que, évidemment, ça leur crée beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. L'évangile passe au travers des frontières. La liste des sauvés grandit de plus en plus dans le monde. Le nombre des engagés grandit. Dieu ne veut pas des conscrits dans son armée. Des gens obligés, non, juste des volontaires. Moi, j'avais signé dans la marine française comme engagé. Je voulais aller. Mais dans l'armée de Dieu, il n'y a que cette sorte de personnes. Ceux qui veulent, qui s'engagent. Je m'engage à suivre le Seigneur. L'Évangile ne connaît pas le mot récession. Non, c'est très, 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 très moderne, l'Évangile. C'est très neuf. Et je n'arriverai jamais à la cheville de l'Évangile. L'Évangile est plus grand que toi, mon frère, ma sœur. L'Évangile est puissant.
Hallelujah. C'est la puissance de Dieu. Les nations de la terre sont devant lui comme une goutte d'un seau. Attendez de voir votre maison là-haut dans la gloire. Votre mâchoire va rester en bas. Hallelujah. Merveilleux. Hurrah pour cela. Je dis aussi, hip hip hip, hurrah pour l'amour de Dieu. Je suis aimé. Hallelujah. Tu es aimé. Tu es entouré, ficelé par l'amour du Seigneur. Et c'est Jésus-Christ qui incarne cet amour-là. Cet amour m'est transmis par Jésus. Que rien ne puisse empêcher cet amour de venir m'atteindre. Je dirais qu'un rien ne pouvait vraiment m'aider. C'est son amour qui m'a élevé. C'est son amour qui m'a élevé. Alléluia. Quand je sombrais dans la boue du péché, Christ m'a délivré. Je m'enlisais dans la boue, littéralement, enlacé par le mal. Plus je bougeais, plus je tombais. Mais une main est venue et j'ai remarqué qu'elle avait une particularité, cette main. Elle était percée. Alléluia. Percée. L'amour est gagnant, toujours. L'amour vous brise. L'amour vous fait pleurer. Pleurer d'amour. L'amour vous lance des ponts. L'amour vous unit, vous relie. L'amour vous soutient. L'amour comprend. Comprendre. Dieu est amour. Dieu est amour. Il nous a donné l'amour. Jean va dire l'amour est de Dieu. Est de Dieu. C'est le langage de la croix. Ce n'est pas le langage de désespéré. Ce n'est pas le langage de la frustration. Ce n'est pas le langage de la condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à l'intérieur du cœur de Jésus. Alléluia. Ça dit, je prends soin de toi. Cet amour me parle. Cet amour me dit, tu es important à mes yeux. Ça dit, je suis sorti de ces clous. Je suis sorti de cette haine. Je suis sorti de cette boucherie, cette ignominie. Et toi aussi, tu vas sortir au travers de moi, cette boisson, ce gambling, cette impureté. Tu vas sortir de cette convoitise. Tu vas sortir de ce vol, cette vanité. Tu vas sortir de cette drogue. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les Pyrénées iraient se jeter dans l'Atlantique, quand les Alpes descendraient prendre des pattes pour aller se jeter dans la Méditerranée, mon amour ne s'éloignera pas. Le mot important, c'est éloigner. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Car Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Hallelujah. Et là, il y a quelque chose de puissant qui me bouleverse, qui me transforme. C'est la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas. Il peut y aller avec ses instruments, il peut y aller avec ses livres, il peut y aller avec ses chapelets, il peut y aller avec ses eaux bénites, il peut y aller avec toute sa poubelle, rien n'y fera. Il faut. Jésus dit, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas une histoire de bonnes œuvres, je suis bon, je suis gentil. Non, on n'est pas bon. Personne n'est bon. Notre cœur est tortué, méchant par-dessus tout. J'ai besoin de naître de nouveau. J'ai besoin que Christ vienne dans mon cœur. C'est la nouvelle naissance, le miracle de la transformation, le plus grand de tous les miracles. C'est le salut. Paul a dit, l'amour de Christ me presse. Je suis pressé comme un citron. Et ce n'est pas la peur de l'enfer qui produit cela. Ce n'est pas des sermons pour savoir comment se comporter, quelle attitude, la psychologie chrétienne, si c'est blablabla, mon œil. C'est le sang qui nous libère. C'est le sang qui touche les familles. C'est le sang qui fait que des concubins vont se marier et vont respecter la parole de Dieu. C'est le sang de Christ. Pas des sermons pour savoir comment faire ceci, faire cela, ainsi de suite. Ce n'est pas l'atmosphère du club. Les églises aujourd'hui, c'est une atmosphère de club.
pas ça. Voyez, ce n'est pas des stimulations, des excitations. Ce n'est pas les décibels, le bruit, quoi que ce soit, la musique. Non, 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 non. Ce n'est pas des voyages tirés pour les gagnants. Il faut plus qu'un déjeuner d'homme d'affaires. Il faut plus qu'un souper d'église. L'amour de Christ nous presse. C'est du vin. Et il y a de la joie à Cana. C'est du pain et de la nourriture dans sa maison. C'est de la vie qui est donnée gratuitement. Et ça me dit une chose, quand nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Des impies. Et tant que je ne reconnais pas que je suis un impie, je ne peux pas être sauvé. Christ n'est venu que mourir que pour des impies. Mais non, je suis une bonne personne, je suis gentil, j'ai fait six. T'es un impie. T'es un impie. La Bible dit t'es un impie. T'es une impie. Et Christ est venu mourir pour toi. Il a fallu qu'il meure sur la croix pour ton impiété. Hourra pour cela. Alléluia. Hourra pour l'amour de Dieu. Amen. Blessé pour nos péchés sur la croix. Blessé pour nos péchés, brisé pourquoi nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. L'épée est tombée sur moi, non, sur lui. Il est mon paratonnerre. Le tonnerre de Dieu est tombé, oh oui, mais il est tombé sur le paratonnerre, sur Christ. Et maintenant, l'orage est fini. La maison est sauvée, elle n'a pas brûlé. Et je ne brûlerai jamais en enfer. Alléluia. Merci Seigneur. Blessé pour mes péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et plus que ça, bonus, par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Que Dieu soit glorifié. Si un ange peut le proclamer et l'annoncer aux habitants de la terre, alors j'ai le droit de le proclamer sur les toits. J'ai le droit de le proclamer sur les toits. Et je veux le dire à tout le monde et partout. Je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai trouvé la paix de Dieu. J'ai trouvé le sang, la clé de ma vie ici-bas sur terre. Merveilleux quand vous trouvez la clé. Vous pouvez voir la maison, mais vous n'avez pas la clé. Vous pouvez tourner autour dans la nuit tout le temps. Vous allez rester en dehors. Et la Bible dit, dehors, les chiens. Ceux qui vivent comme des chiens. Les enchanteurs, les impudiques, les menteurs, les voleurs. Dehors. On a trouvé la clé. Hourra, hourra. Hourra pour ce pardon. Il est mort pour que nous puissions être pardonnés. Il est mort pour nous rendre bons et fidèles. Et un jour, il va nous dire, c'est bien bon et fidèle. Bon et fidèle. Il est mort pour que nous puissions aller finalement au ciel, sauvés par son sang précieux, pas par de l'or ou de l'argent. Exister sur la terre sans être pardonné, c'est l'enfer. Je répète, exister sans pardon, c'est l'enfer. J'aimerais vous parler d'une Coréenne. Le bateau, la barque est en train de s'éloigner des rivages de la Corée la nuit. Pas de bruit. Parce que les gardes de la Corée du Nord surveillent toute la côte avec leurs mitrailleuses pour que personne ne s'échappe. Mais une nuit, la barque est pleine de personnes. Et tranquillement, on met la barque à l'eau et on s'avance dans les eaux noires au large de la Corée du Nord. Problème. Une maman a un bébé et le bébé se met à pleurer. Fais taire ton bébé. Les gardes côtiers vont nous voir. Ils vont tirer sur nous. Fais taire ton bébé. Elle lui donne le sein. Et le bébé pleure encore. Il pleure dans la nuit. C'est tellement calme, on entend tous les bruits. Toutes les gens qui sont dans l'embarcation sont en danger. Danger de mort. Et le bébé ne veut pas pleurer. Et tout le monde dans la barre dit « fais taire ton bébé !» Elle
à pleurer. Alors la maman prend le bébé. Elle met légèrement au-dessus de la barque et le plonge dans l'eau. Et elle entend clou, clou. Et elle l'abandonne. Et tous sont sauvés. Et plus tard, quelques jours, un grand navire arrive à Hawaï. Il y a un missionnaire et son épouse qui sont là, sur le quai. Il y a une petite dame qui descend. Elle pleure. Elle ne peut retenir ses larmes. Elle n'arrête pas de pleurer. Et le couple de missionnaires arrive et dit, « Madame, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé dans votre voyage ?» Et la dame a raconté l'histoire. Et le missionnaire dit, « Je connais quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose que vous. » Ah oui ? Dieu envoyer son Fils pour nous sauver. Et pour que nous soyons dans la barque du monde, tous sauvés, c'est son Fils qui a plongé dans les eaux noires de la mort pour que nous soyons sauvés. Cette dame sur le quai d'Hawaï a accepté Christ dans son cœur, a été sauvée. Hourra pour ce pardon. Hourra pour ce pardon. Il est mort pour que nous puissions vivre. Il y en a beaucoup qui essayent d'avancer dans le mariage sans pardon. Ça ne marche pas. Il faut se pardonner. Quand vous ne pardonnez pas, vous souffrez le purgatoire. Mais les chandelles, les bougies n'adoucissent pas votre tourment. Les sapins de Noël non plus, les bonbons, les fleurs n'allègent pas votre douleur. Les cocos de Pâques, les pilules, la drogue, n'importe quoi, la boisson. Vous ne pouvez pas arrêter la vengeance qui est dans votre cœur, la suspicion qui est toujours là. Vous ne pouvez pas arrêter ça avec des lignes de la main, avec des party rave, avec du yoga, de la psycho, des soupers très chers, ainsi de suite. Non, l'amertume est là encore, le doute est là dans votre cœur. Qu'est-ce qui va vous sauver de l'enfer? Le pardon. Pardon, c'est oublier. Pardon, synonyme d'oublier. Père, pardonne-leur. Merci, Seigneur. Merci pour ta prière qui est répondue. Dieu bannit littéralement le passé. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest. Autant, autant, il éloigne de nous nos péchés. Merci, Seigneur. Je n'arrive pas à le comprendre, mais je le crois. Je ne suis pas ému par ce que je comprends, je suis ému par ce que je crois. Alléluia. Nos péchés ne seront plus jamais ramenés contre nous. C'est sa parole pour vous, madame, monsieur. Je ne me souviendrai plus, a-t-il dit, de leur passé, de leurs péchés. Dieu va vous relever entièrement, totalement, complètement. Et vous ne pouvez pas l'être totalement quand une partie de vous-même est émaciée par le regret, par la culpabilité, par le fardeau d'avoir mal agi ou d'avoir une mauvaise conduite, une mauvaise tenue. Non, David va éclater de joie. Il va proclamer une béatitude dans l'Ancien Testament. Il va dire « Heureux, heureux, hourra !» Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Merci Seigneur. Je comprends le témoignage ce matin d'un des baptisés qui a dit, je me sens tellement léger maintenant. On comprend cette légèreté. Pourquoi? Parce qu'avant c'était lourd. C'est lourd. Le péché est lourd sur un cœur humain. Très lourd. David a dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Est-ce que c'est sale dans votre esprit? Est-ce que c'est sale dans votre âme? Est-ce qu'il y a un frottement dans vos os? Est-ce qu'il y a un nœud dans votre estomac? Est-ce que ça vous ronge comme un cancer? La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est remis, terminé, oublié. Je le crois. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous.
Père, pardonne-leur. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le curé, ce n'est pas le Bouddha. Voyez, c'est lui, Jésus, qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Mon seul appel possible, c'est un appel à la clémence. Comme le brigand à côté de Jésus, souviens-toi de moi. Je ne m'en remets pas à un homme. Je ne m'en remets pas à la miséricorde de la cour. Non. La magnificence de la mort de Jésus dit une chose haute et claire. Je suis digne d'être sauvé. J'ai assez de valeur pour que je sois sauvé. Il m'a regardé dans ma boue et il m'a vu avec assez de valeur pour me libérer et m'emmener dans son ciel. Mais, ça me dépasse totalement. Alléluia. Je suis digne d'être sauvé. Bien que je sois indigne d'être sauvé, je suis digne d'être sauvé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh Dieu, je te remercie pour la valeur que tu as placée sur nos vies. Tu places de la valeur sur nos vies. Le venin du péché me dit que je suis un pas bon. Le venin du péché me dit que je suis un cheap, voyez. Le venin du péché me dit que je suis seulement ici-bas sur la terre pour un jour, puis qu'ensuite c'est deux pieds sous terre, c'est terminé. Mangeons et buvons, demain nous mourrons, voyez. C'est le venin du péché. C'est la vipère qui parle, Satan, voyez. Le venin du péché me dit que je suis simplement une marchandise, un moyen d'échange. Le péché se rit de moi, se moque de moi. Je l'ai vaincu, va rire Satan dans le dos du pécheur. Le péché me ridiculise, je deviens ridicule. Regardez Samson, cet homme fort et puissant avec deux yeux caverneux, crevé. Cet homme destiné à être puissant dans le Saint-Esprit. Le péché se rit de lui, les Philistins vont rire de toi. Le péché m'envoie des yeux au beurre noir. Le péché me fait ramper. Le péché me casse mes mâchoires. Le péché me fait vaciller dans des bars vaporeux, enfumés. Le péché me fait balancer sur des parquets de danse, ténébreux, au milieu d'une foule en délire, remplie de convoitises et d'adultère. Le péché me fait faire des cauchemars. Dans les allées et les couloirs remplis de vomissures. Et voilà, c'est que ce matin, je suis là, je suis pardonné. Je suis pardonné. C'est une mélodie. À mes oreilles, mais c'est une belle musique. Mais je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi merveilleux. C'est la raison pour laquelle je dis « Ouah !» Et en terminant, je peux dire une chose. Je dis hurra pour la famille de Dieu. J'ai trouvé une famille. Alléluia. J'ai des frères et des sœurs. Et je ne voudrais pas les échanger pour rien au monde. Ceux qui sont venus ce matin être baptisés, ils nous sont chers. C'est mon frère, c'est ma sœur. C'est eux qui veulent suivre le Seigneur. On se réunit ensemble. On chante ensemble. On pleure ensemble. On souffre ensemble. On est persécutés ensemble. Et on ira ensemble à la table du roi dans l'éternité. Alléluia. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'adorons, Seigneur. Combien nos cœurs ce matin, Seigneur, nos cœurs fragiles, Seigneur, sont émus, sont frétillants, Seigneur, devant ta grâce, ta puissance, Seigneur. Tu es un Dieu si magnifique. Plonge-nous dans l'esprit de gloire, dans l'esprit de vie, Seigneur. Alléluia. Comme tu es grand, Seigneur, nous sommes maintenant ton corps. Nous sommes tes membres, chacun pour notre part. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous disons hurra, Seigneur Jésus, pour l'Église véritable de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes passés de la mort à la vie. À toi toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.